eau minérale gazéifiée. Kirène la pétillante, il fait bon vivre léger. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, mes étoiles. Vous êtes bien dans le Evie de Rochaud, ça se passe ici et nulle part ailleurs, sur la chaîne étoilée NCI. L'équipe du Evie de Rochaud et moi-même remercions le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pour son implication responsable et très patiente dans la résolution du conflit né de la détention des 46 militaires ivoiriens au Mali. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Ça va, Patrick? Oui, semaine animée, mais positive. De l'or? Ouais, ça va, tranquille. Hassan? Son pays, s'il te plaît, parce que maintenant, mon nom, c'est Son pays Paulin. Quoi? C'est Son pays Paulin. Monsieur Son pays Paulin. J'espère que tu as au moins la voix de... d'un Paulin. D'un Paulin. Non, ça va, ça va. Tu peux essayer de fredonner un peu Waïzébékougo? Non, c'est bon. Je m'appelle Hassan. Mimi, et toi? Oui, ça va. Alors, on passe à la rubrique On en rit, s'il vous plaît. Attends, mais qu'elle t'accuse quand même. Marina, combien de fois je vous dis, ne jouez pas avec mon téléphone, ne jouez pas avec mon téléphone. Mais j'ai pas joué avec ton téléphone, maman. Mais je n'aime pas ça. Je m'en vais à la réunion, je suis déjà en retard. Hein? Je cherche mon téléphone depuis où vous avez mis. Quand je pose mon téléphone, je veux pas qu'on touche. Je veux pas qu'on fait jeu dessus. Hein? Je suis en retard. Je n'aime pas. Oh, je n'aime pas. C'est quoi? Ton téléphone est dans ta main. Mais j'avais mis dans mon sac, qui a mis dans ma main? C'est ce que tu n'aimes pas, Marina, je n'aime pas ça. C'est que ça m'arrive tout le temps. Même pas le téléphone seulement. Hein. Moi, je vois ma mère, mon petit frère. C'est la même chose. J'ai honte, avant-hier. Elle, la nounou de Pichou. Je cherchais un de mes habits. J'ai dit que l'habit, là, moi, j'ai vu ça ici. Quand, elle dit, maman, c'était pas ici. J'ai dit, c'était ici. Vous avez déplacé. J'ai dit, quelque chose me dit d'aller dans l'autre chambre. Donc, je vais dans l'autre chambre. Quelque chose me dit, il y a une valise là-bas. J'ouvre. Voilà. Donc, je voulais cacher. Quand j'ai ouvert, là. Donc, j'ai ouvert, j'ai vu, non. Je voulais cacher pour sortir. Elle était arrêtée derrière moi. Enfin, elle m'a suivi. J'ai dit, ah, j'ai trouvé. Elle dit, au moment de fermer la valise, elle dit, il faut fermer. Souvent, ça arrive. Mais les enfants avec le téléphone, là. Steve, il a son téléphone, mais c'est mon téléphone, il joue jeu dessus. Il a dit, mais c'est mon téléphone, laisse mon téléphone. Non, mais est-ce que tu as déjà... Les trucs comme ça, là. Ah, ça, là. Ça ne monte pas. Ça fait honte. Souvent, quand tu t'ouvres, là. Ça, là, il y a des choses ici. Il dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui. Ton argent. Toi-même, ton argent. Oui. J'ai dit. Et puis, tu sens qu'on t'a volé. Et ça là. Et puis tu commences maintenant, tu es avec des gens. Il fait les et puis regarde, la partie du film même, où c'est grave même là, c'est quand, excusez-moi, hein, quand ceux avec qui tu es là, tu as un peu, et puis eux ils n'ont pas. C'est gênant. Non, quand tu as un peu. Ça veut dire que moi j'ai vécu les deux cas. Quand il était moisi avant là, quand on est là et puis quelqu'un qui a l'argent dit ah. Je sais pas, on dirait que mon agent... Ça dérange. Puis il va, tu es assise là, il va dire, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai dit, j'ai fait une dédicace à Madame Niaba Suzanne. Je suis allée en vacances pour la première fois chez elle. Le jour où je suis arrivée là, c'est le jour là, l'argent des CU est perdu. Et puis elle dit que ça là, c'est... Ça n'arrive jamais. J'ai dit... Ça n'arrive jamais chez nous ici. J'ai dit, je suis partie, j'ai ma soeur, elle s'appelle Freddy. J'ai dit, sincèrement, moi, je ne vole pas. Je ne vole pas. Elle dit, non, c'est pas toi. Faut pas écouter maman qui est là. Souvent, même elle dépose les choses,
Elle ne sait pas où elle a mis. J'ai dit, j'étais gênée. Jusqu'à ils ont retrouvé. C'est-à-dire que même quand on retrouve même là... Tu penses que c'est toi? Tu penses que c'est toi? Bah, tu dis que peut-être tu as pris et puis tu es allé déposer. Tu vois? Donc, et de là, et toi? Non, mais... En fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que toutes les mamans, étrangement, ont ce problème-là. Elles ont toutes ce problème-là. Le truc est sur elles. Et elle va chercher, elle finit de vous engueuler. Ça nous arrive, nous, toutes. Mais après, nous, elle dit hein. Elle dit oui, non, elle ne va jamais reconnaître ça. Et il dit, et quand tu as l'argent et puis tu es les gens, tu as l'impression que ton argent a diminué. Et puis tu as un ami qui est là, hein, tu lui dis, il soupçonne. Il soupçonne Mimi. Il soupçonne Mimi. Ton argent a diminué. Et tout à l'heure, mon sac était à côté d'elle. Et puis vous partez. Et puis vous critiquez Mimi. Maintenant, tu retrouves. Maintenant, tu arrives à la maison. Tu te rappelles ce que tu as acheté? Tu te souhaites. Voilà. Tu commences à calculer ton argent et quand tu vois que tu as fait une dépense, oui, même. Que tu avais oublié. Et puis, oh. Et tu ne rappelles pas l'ami. Hein. Tu ne peux pas dire. Tu ne rappelles pas l'ami. C'est dans ton cœur. Mais lui, avec qui tu as critiqué là, tu peux pas lui dire aussi. Et puis, un autre jour, il te voit, il dit yeah. T'es méfié de Mimi. C'est quoi les rumeurs vont sur les gens. Adam, le doka. Non, on va pas aller au doka d'abord. On va donner déjà le thème. Hein, parce que deux jours, on a des thèmes, de façon, on s'est fait un genre. Internet, la porte de tous les dangers. Est-ce qu'on peut avoir le coup du marteau? C'est important. Internet, la porte de tous les dangers. Coup du marteau, s'il vous plaît. On n'y va pour le coup du marteau, t'en es pas. Encore. Ça va chauffer. Merci. On a un élément pour vous. La numérisation de notre quotidien ouvre malheureusement une voie royale aux cyberdélinquants. Les outils se sophistiquent, de nouveaux phénomènes émergent, comme entre autres la fraude à l'identité numérique, l'arnaque au sentiment et le cyberharcèlement. La notion de cyberharcèlement en particulier fait l'objet de plusieurs définitions dans la littérature spécialisée, dont entre autres l'insulte, l'exclusion sociale ou la diffusion de rumeurs par des moyens électroniques. La critique d'autrui en ligne, le fait de poster des photos désavantageuses sans permission, faire des faux en ligne, y harceler verbalement et y cacher son identité. Une conduite intentionnelle dans le cyberespace comportant des menaces, du harcèlement, de l'humiliation, des insultes ou toute autre manière de rabaisser émotionnellement par le moyen de documents, d'images manipulées, de vidéos indiscrètes ou de toute combinaison de contenu digital. En un mot, il y a cyberharcèlement quand les gens disent des choses méchantes ou blessantes, se moquent de quelqu'un, lui donnent des qualificatifs méchants ou blessants, l'ignorent ou l'excluent d'un groupe, répandent de fausses rumeurs à son sujet, lui envoient des messages méchants, essaient de faire en sorte que les autres membres du groupe ne l'aiment pas ou ont d'autres comportements blessants, dans une situation où il est difficile pour la personne harcelée de se défendre et où harceleurs et harcelés n'ont pas la même force ou le même pouvoir. Le cyberharcèlement est sans nul doute l'une des grandes menaces de ce 21e siècle et un véritable défi pour les forces de sécurité intérieure du monde entier. Qu'est-ce qui explique la forte propension de ce phénomène de nos jours, sur la blogosphère ivoirienne en particulier? Quel recours pour les victimes? Le Ivy des Rochaux, résolument engagé à proposer du contenu de télévision utile, se propose de tenter des éléments de réponse. L'émission s'invite aujourd'hui dans cette sphère afin d'apporter sa pierre à l'édifice, dans le processus de construction d'une conscience citoyenne nouvelle. Moi, je trouve que c'est un très, 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 très bon sujet, Patrick Edouard. Oui, excellent sujet qui est à l'heure du moment, en ce moment-là, et qui mérite vraiment qu'on débatte et puis qu'on puisse trouver les tenants et les aboutissants de tout ce mal qu'on fait à d'autres personnes, en fait. De l'or. Oui, aujourd'hui, Internet est devenu la maison de tout le monde. On vit tous sur Internet. Malheureusement, comme dans la vraie vie, il y a aussi des délinquants là-bas. C'est pour moi une bonne occasion que ton plateau offre de discuter de cette question. Hassan, on est dedans. On va débattre de ce sujet, il est important. C'est ce qu'on fait comme combat depuis le départ, sauf que ça s'est accentué là. Donc on va débattre, on est là pour débattre. Et là, vraiment, c'est un sujet vraiment important. Pourquoi je t'appelle là? Tu as dit Ella. J'ai dit Ella. Attends, si tu as répondu. Non, ma petite sœur, elle s'appelle Ella. Le prénom qui est là. Ella Loubré, ma petite sœur, je l'aime beaucoup. Il y a une petite sœur qui s'appelle Ella aussi. C'est un très bon sujet.
Un très bon sujet. C'est le cyberharcèlement. C'est ça, non? Oui, quand tu n'es pas fort d'esprit, ça peut te pousser à te suicider, ouais. À faire. C'est pas tout le monde qui est fort, comme ils ont dit. On va. Alors, on va demander à Zoku. On va traiter ce sujet. Zoku, l'ordinateur, qui est l'invité du jour. Ça va se casser. Alors, tu es l'invité. Commencez à partager. Mettez les cœurs. On aura des révélations. Eh bien, ça va se casser aujourd'hui. Laissez-moi boire un peu d'eau, déjà. Bonne arrivée sur ton plateau. Nouvelle du soir. Attends, l'ordinateur n'a pas bugué, c'est toi l'invité. C'est moi. Ah oh. Attends, l'émission, c'est toi qui décide. C'est mon émission, mais je vous signale, je suis l'invité, mais. Ça veut dire quoi? Les cartons sont de sortie. Non. Cartons sont sortis. Sachez me poser vos questions parce que je laisse le temps aux téléspectateurs de bien s'asseoir et des internautes de bien. Partager. Bien partager. Hein. Le rose, là, c'est pourquoi? Carton rose, là. Mimi, il y a combien déjà? Mais laissez-nous poser. La question. J'ai dit, le nouveau truc de Kiren, là, c'est bon. Hein. Sincèrement. Sincèrement. C'est pour nous qui avons les palpitations, là. Ça, quand tu bois, ça se calme. Oui, c'est facile. C'est bien. Mais on a deux autres invités aussi qui sont avec nous ce soir. Monsieur Serge Bougnon, avocat. On est arrivé, maître. D'accord. Merci. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Et monsieur Nour Bakayoko, psychologue. Bienvenue, docteur. Merci. On dit docteur. Un Nour, c'est mieux. Pardon? Nour, c'est mieux. Ah bon? Un psy, il est du corps médical? Non. Ah non? Coup. Ah bon? Mais souvent, vous êtes dans les hôpitaux. En fait, il y a la différence entre le psychiatre et le psychologue. Oui. Le psychiatre, c'est lui qui est médecin. Il soigne les... Voilà. C'est-à-dire que lui, il est là pour les maladies mentales. OK. Voilà. Alors que le psychologue, c'est un spécialiste du psychisme et du comportement humain. Voilà. Donc, le psychologue t'amène à la reconstruction de ta personnalité, à ta stabilité émotionnelle et à la reconquête de ton amour de soi. Ah, maintenant, le psychiatre, lui, par rapport à une pathologie, il te donne des médicaments pour soigner des maladies mentales. Mm-hmm. Émission infinie. Mais moi, par contre, j'ai vu un psychologue quand j'étais en France, mais c'était à l'hôpital. Oui, puisque... C'est le mental qui guide le physique. Souvent, il y a des maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, tu vas à l'hôpital, tu fais les examens, on dit tu n'as rien, alors que tu es malade. En réalité, cette maladie-là n'est pas due à un microbe. C'est dû à une situation. Que tu as vécu. C'est comme deux personnes qui rentrent dans un hôpital, les deux ont la diarrhée. Donc, il y a un, il a mangé des choses à l'arachide au Carrefour d'Adjamé. Donc, du coup, il a la diarrhée. Et l'autre, elle vient de lui dire qu'elle est enceinte alors qu'il est en troisième. Donc, il a la diarrhée. Vous voyez que quand les deux rentrent... J'aime les gens. Oh, c'est un bon monsieur. Le choix de l'émission va jouer. Il est percutant. On aura besoin de lui souvent. Il faut noter son nom. Donc, vous voyez, quand les deux rentrent dans un hôpital... Les deux viennent pour le même problème. Le même problème, mais ce n'est pas le même médicament qui les soigne. C'est comme celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas encore vu. Voilà, ils n'ont pas la même manière de courir. Exactement. Donc, voilà. C'est-à-dire, l'autre, on va le diriger vers le psychologue pour régler son problème. L'autre, on va le diriger vers le médecin. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire que l'autre, quel que soit le médicament, la diarrhée sera toujours voilà. là. Parce qu'en fait, la source de son problème n'est pas liée à un microbe. C'est ça. Voilà, c'est lié à une situation. Non, c'est cette situation-là qu'il faut décanter pour que son problème soit résolu. OK, effectivement. C'était une situation. Monsieur, maître, vous êtes avocat au barreau? Oui, je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire, au barreau d'Abidjan. Au barreau d'Abidjan. Qu'est-ce que je peux lui demander comme avocat? Vous êtes spécialisé dans quelle défense?
Vous défendez les criminels? Pas seulement les criminels. Le crime, c'est une infraction. Ça peut être un délit, ça peut être autre chose, mais je veux dire, je suis avocat, je défends des personnes qui ont besoin d'avocats. Mm-hmm. Ça peut être en matière civile, ça peut être en matière pénale. Pénale, d'accord. Son visage me dit quelque chose. C'est vrai? Il ressemble à... Il ressemble à un gars qui était à la haie. À la où? À la haie. Comment ça? Dans les avocats, lui, là. Je pense que à la haie, comment? Bon, la main de Ivy. Non, à la haie, comment? Non, il était à la haie. Vous habitez là-bas? Oui, j'y ai vécu un peu plus de 5 ans. Et? Pour une cause, bien entendu. Ah bon? Oui. Quoi? C'était quelle cause? Le fameux procès. Il parle que c'était le procès planétaire. Et c'était... Je me rappelle de lui. Voilà. Avec votre habit, un truc blanc ici, là, non? C'est pas lui qui était un peu devant, là? Dans les avocats qui étaient là. Ah, d'accord! Ah, ça va? Ah. Je me souviens de lui, c'est vrai. Somza me disait quelque chose aussi, mais bon, l'homme a eu beaucoup de pointeurs, mon cher. Je voulais lui demander ça après l'émission, mais c'est maintenant que je dis, ah, d'accord. Non, c'est un avocat star. Un avocat star. Un avocat star sur un plateau de stars. Et bientôt, un psychologue star. Bien sûr. Ou bien il est déjà star aussi. C'est un loup français, si vous voulez. OK. On y va dans le cozy time. Cozy time, eh bien, moi, je vais, comme je suis l'invité, je ne sais pas, vous devez me poser des questions. Mais on a peur de tes cartons, là. On commence à... Non, c'est là, dans le cozy time. Quand les invités sont là, c'est dans le cozy time, on les cuisine. Alors, non, on va lancer déjà le jingle, s'il vous plaît. Cozy time, c'est pas parce que c'est moi qu'on va rater. Voilà, donc cozy time. Et puis voilà, maintenant vous pouvez me poser vos questions. Ok, moi bon, j'ai un couple. Non, les gars, on va lui faire sa sauce bien. Ah, ça commence par qui? Non, Mimi, attends. Parce qu'elle va pas s'en tirer mais comme ça. Mais le carton, on va jeter ça. Non, elle va pas s'en tirer comme ça. D'accord. En fait, Ivy, c'est vrai, le sujet est sérieux. Mais tu vas nous expliquer d'abord. Parce qu'on observe que quand tu reçois les gens, tu leur permets d'expliquer ce pourquoi ils sont là. On a vu que pour toi, la semaine a été agitée. Mm-hmm. On en rit, mais ça reste toujours un sujet sensible. Mm-hmm. Et on devine avec le thème de l'émission d'aujourd'hui que le rapport est là. Alors, est-ce que tu peux nous dire tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on t'a entendu dire et publier, est-ce que tu peux nous révéler ce qui s'est réellement passé? Eh bien, je vais partir de là, de cette semaine-là, hein, carrément, parce que c'est, je pense qu'on a été chacun peut-être victime d'harcèlement, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais voilà. Je suis depuis près de 3 ans harcelée par un monsieur sur les réseaux sociaux que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'ai jamais vu, mais qui a trouvé possible Ivy Doro, voilà, donc depuis 3 ans, qui pond des choses sur moi, sur le net. Et le truc, c'est que ce ne sont pas des choses vraies. Il parle de ma famille, il parle de mes enfants, il parle de mon travail, il y a diffamation, il y a accusation de meurtre. Il y a trafic de... Il t'accuse d'avoir, oui, d'avoir tué quelqu'un, voilà, une personnalité, persona. Il m'accuse d'avoir été dans un trafic de drogue, voilà, et il prétend avoir des preuves. Et il a des adeptes, il a des fans sur les réseaux sociaux. Donc il s'auto-proclame comme un certain professeur, donc il donne des devoirs, il donne des sujets avec mon nom. Et puis dans les commentaires, les gens vraiment donnent la suite. Ah, celle-là, vraiment, elle m'énerve tellement que vraiment, oh, c'est bien fait pour elle. Mais tu vois, et il continuait. Et moi, à chaque fois, je prenais le soin de faire des captures d'écran de tout ce qu'il publiait. Je gardais. Donc, tu peux imaginer le nombre de captures que je peux avoir. J'ai gardé. Et j'avoue que l'année dernière,
j'ai voulu porter plainte contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu à poster le visage de quelqu'un de ma famille, un proche, que je n'avais jamais affiché sur les réseaux. Et d'abord, il m'a fait du chantage. Il m'a demandé de l'argent pour acheter des couveuses pour un hôpital. Et il me donnait, je crois, 72 heures. Il t'envoie ce message inbox. Il écrit ça sur Facebook. Ah, OK. Il me donne 72 heures. Dans le cas contraire, il va dévoiler l'identité de cette personne. Bon, moi, je n'ai pas calculé. Il a posté une photo de cette personne et moi et il a camouflé, c'est-à-dire il a fermé le visage de la personne. Après, il a posté la photo, l'entièreté de la photo. Et cette photo-là, moi, je ne l'avais jamais postée. C'est la personne qui était à côté de moi qui l'avait postée sur son WhatsApp. Et une amie à lui avait fait la capture d'écran. Donc, au préalable, on savait déjà qui avait cette photo. Donc, ça veut dire que c'est parti de quelqu'un de lui, son entourage. Et donc, je pense que c'est cette personne-là qui a dû donner la photo à ce dernier. Donc, il s'est permis de la poster. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé à raconter des choses, à parler de ma famille, de mon entourage. En tout cas, il est allé vraiment très, 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 très loin. Et ce jour-là, quand il a posté la photo, la personne m'a envoyé la photo pour me dire, ah, ils ont posté une photo de nous, mais heureusement que moi-même, j'étais jolie sur la photo. C'est-à-dire que la personne, ça l'amusait. Mais moi, ça ne m'amusait pas. Parce que je n'ai jamais publié cette personne-là sur les réseaux. Donc, parce que je protégeais vraiment cette personne. Et j'étais à la maison tellement... J'ai été choquée. Je suis tombée. Et quand je suis tombée, bon, à la maison, ils ont essayé de m'aider et tout. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pas dormi, je n'étais pas bien. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir froid, je me sentais mal. Donc, on est allé à l'hôpital et on m'a gardée. Et quand on m'a gardée jusqu'à ce qu'on me fasse une césarienne parce qu'on devait me faire accoucher et tout, blablabla. Parce que c'était, voilà, ça m'avait créé des problèmes et tout. Et j'ai accouché prématurément. Donc, j'ai dit non, il faut que je règle le problème de ce gars. Donc, je sors de l'hôpital, mais convalescence, bébé, tout ça, je suis tellement occupée. Je me dis, bon, c'est pas grave. Il continue. Oui, elle a accouché d'un bébé prématuré. Il donne des infos. J'ai dit, mais c'est qui de mon entourage ou de l'entourage de cette personne-là qui peut donner... Il a des informations. En tout cas, dans ce qu'il dit, il a quand même... Il y a quand même des éléments qui sont vrais, mais même si après, tout le reste est vraiment sort de son imagination, mais il y a des petits trucs quand même qui sont vrais. Et après, j'ai dit, bon, je vais porter plainte, je ne vais pas porter plainte. On est resté dans ça jusqu'à on est arrivé en 2023. Vous connaissez les gens, surtout ma maman. Non, il faut le laisser. Non, ce n'est pas grave. De toutes les façons, tout ce qu'il dit, là, il ment. Donc, ce n'est pas la peine. Si tu fais, c'est comme si tu as quelque chose à te reprocher. Vous savez, les Africains, on aime très souvent banaliser certaines choses. Et là, récemment, la dernière émission, j'ai fait une révélation ici devant tout le monde. Et il poste pour dire que je vous avais déjà annoncé ça dans le temps. Je vous avais même dit que le père de ses enfants n'avait pas été là quand elle a accouché. Et qu'il ne voit pas ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, ça m'a quand même choquée. Parce que, je dis, ça... La goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Donc là, je suis sortie sur les réseaux. J'ai même, c'est-à-dire, je me suis même oubliée, j'ai posté la photo du monsieur à l'hôpital. Tellement j'étais... C'est-à-dire, sur le coup, j'étais tellement fâchée que j'ai posté la photo du monsieur à l'hôpital. Et puis après, j'ai supprimé. Et je lui ai dit, bon, je pense que là, maintenant,
toi et moi, il est temps qu'on se rencontre. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Oui? Moi, je voudrais savoir pourquoi, depuis autant de temps, tu n'as pas... Est-ce que tu as porté plainte déjà? Et pourquoi tu t'es, on va dire, un peu retracté jusqu'à... Au-delà, bien sûr, de ce que tu as donné comme élément de réponse, mais pourquoi tu n'as pas... Déjà, avec toutes les menaces, etc., pourquoi tu n'as pas porté plainte? Déjà, avec toutes les menaces, honnêtement, comme je dis, il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, il faut laisser. Ah, si tu t'en vas porter plainte, on va dire que c'est toujours toi au pays ici. J'avais déjà mis quelqu'un derrière les barreaux. Ça avait fait déjà un grand scandale. Donc, il y a le... Il y a ça. C'était quoi? Un narcissique? Oui, aussi. Voilà. Pareil, diffamation, mensonge et tout ça. Et donc, il y a ça. Il y a le côté où on dit non, comme tu as des relations dans le pays, tu vas user de tes relations pour enfermer les Ivoiriens. Il y a mes parents. Ah, pardon. On ne veut pas encore que ton nom soit dans la bouche des gens. Il y a les amis. Il y a les religieux. Vraiment, tu es musulmane. Allah, vraiment, faut pardonner. Il y a moi-même qui me dit, ah, tu vas envoyer enfant des gens en prison. Ses parents vont t'appeler. Tu vois, il y a plein de... Il y avait plein de choses autour qui vraiment me faisaient retarder et tout, oui. Bon, moi, je veux... Ce que je veux savoir, c'est d'abord ton état d'esprit. Comment tu te sens actuellement? Parce que nous-mêmes qui sommes sur les réseaux sociaux, même avec un seul commentaire, même avec un seul direct où on dit notre petit nom, on ne se sent pas bien, ça fait mal dans sa peau. Tu es touché mentalement. Je veux savoir comment tu te sens jusqu'à présent, actuellement, là où tu es assise. Comment tu te sens? Je ne sais pas d'où je tire cette force-là, honnêtement. Je pense que c'est le Seigneur. Mais chaque jour, chaque fois que j'ai ce genre de choses ou que je suis exposée sur les réseaux sociaux, je gagne en maturité et en calme. Je ne sais pas. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je prends du recul. Que ce soit sur les réseaux ou que dans ma vie, hein, tout ce que je traverse comme épreuve, quand j'arrive à surmonter cette épreuve-là, franchement, je me dis, je ne sais pas, c'est comme si c'était des exercices que je traitais. Et je me dis, des problèmes, si ce problème-là, j'ai pu le résoudre, le prochain problème sera encore plus grave. Donc, il faut que je sois déjà armée pour pouvoir, pouvoir le régler. Donc, c'est comme ça que je... Donc, ça va. C'est vrai que souvent, je suis un peu abattue, tout ça, mais j'arrive à gérer, quoi. Tu expliques, mais je vais poser une question au psychologue. Je voudrais savoir... Attends, est-ce que j'ai posé encore ma question? Voilà, c'est cuisine, ça préparer les choses. On cuisine Ivy d'abord. Ou bien tu as peur de ces cartons? Non. Ivy, tu sais que je connais le gars. Ça, à travers un poste qu'il a fait. Et je pense que le bon cœur, souvent, nous fait commettre des erreurs. Et moi, je suis pire que toi. J'ai eu à l'aider et j'ai subi sa foudre à un moment donné. Mais je suis allé dans une logique, non seulement du côté religieux, mais du côté où je me dis que peut-être l'homme peut changer si tu viens vers lui et puis tu dis, tu vois, celui que tu as spolié hier et que tu as insulté hier et que tu as traité de tous les noms a pu intervenir pour toi quelque part pour te faire sortir, même si ça peut me causer un préjudice aujourd'hui, toi et moi, ou quelque chose comme ça. Et quand il y a eu l'arrivée du président Bagbo, il a été arrêté en direct. J'ai des amis qui m'ont contacté de la France pour me dire, ah, le frère, j'ai dit, ah, les gars, lui, là, il m'a trop insulté. Il a dit que je vends de la drogue, que je vends les organes humains. J'ai fait plein de choses. Et ils m'ont dit, Hassan, tu sais, c'est le moment de lui montrer que tu es mieux que lui. Donc, je me suis déporté, j'ai laissé tout ce que j'ai fait, je suis allé le voir. J'ai dit, Joe, tu vas arrêter, non? Donc, j'ai vu on a fait ce qu'il fallait faire, ils ont posé des questions, tout. Mais comme c'était un mouvement de paix, et puis c'était le président Babou qui venait, donc c'était moins difficile à pouvoir causer. Donc, il est sorti, on est allé s'asseoir, on a bu un café. J'ai dit, écoute, frère, il faut que tu arrêtes. Ça là, la politique, il n'y a rien derrière. Aujourd'hui, quelqu'un est là, demain, il n'est plus là, après-demain, quelqu'un est là. Mais donc, si tu vas sur des choses, tu peux aimer quelqu'un et puis poster pour lui.
Mais tu peux pas venir parce que tu es avec quelqu'un, tu vas lancer quelqu'un. Donc, il faut que tu arrêtes. Il m'avait dit qu'il arrêtait. Et dans ce contexte, aujourd'hui, si tu veux, je suis sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Donc, quand quelqu'un est un peu plus virulent que d'autres, même sans cause, hein, sans véracité, sans rien, je préfère ne même pas rentrer dans un conflit avec lui parce que je veux ma tranquillité un peu. Mais, et j'ai dit hier, parce que cette semaine, j'ai subi plein de choses de personnes que je connais, avec qui j'ai aucun souci. Et j'ai dit, j'ai fait un post pour dire que le Savary Day est fini. Je n'accepterai plus aucune excuse. Le fait de se lever, m'insulter pour rien, et puis venir le lendemain, on dit pardon, Joe, tout le monde vient, alors que les followers ont continué à m'insulter, et puis... Mais spécialement pour lui, aujourd'hui, quand tu vas le voir, tu vas te dire ce que tu as dit tout à l'heure. Tu vas te dire, mais... lui-même, d'où il tire cette énergie pour pouvoir poster, c'est quelqu'un qui est frêle, qui pèse même pas 50 kilos. Venir dire aujourd'hui, Ivy, pardonne-le, c'est être hypocrite avec moi, parce que moi-même, j'ai fait un post hier pour dire que le Savary Day est fini. Mais pour son cas, lui, parce qu'il a tenté de m'appeler hier, il m'a dit, il veut ton numéro WhatsApp. Je lui ai dit, malheureusement, je n'ai pas le numéro de WhatsApp de Ivy. Avant-hier. Et réellement, je ne l'ai pas. Ton numéro WhatsApp. J'ai ton numéro direct. Il m'a dit, OK, frère, mais vraiment, je vais arrêter, je vais essayer de faire. J'ai pris des concessions. J'ai dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Je vais dire à Ivy, voilà la conversation qu'on a eue, toi et moi. Après, ça a son appréciation à elle. Mais venir dire aujourd'hui, comme moi-même, j'ai dit que je ne pardonnerai plus quoi que ce soit. Mais de son cas, on va dire, comme on est à la télé, essaye de voir. Vraiment, je pense qu'il a dû t'écrire, j'ai vu une capture qu'il a demandé des excuses, il a demandé pardon, qu'il veut redorer l'image, qu'il veut si. Donc, moi, je vais te dire de sciencer. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Moi, en tout cas, c'est la résolution que j'ai prise aujourd'hui. Mais moi-même, je ne pardonnerai plus qui que ce soit. J'en ai déposé des plaintes même hier contre des personnes. Et après, j'aurai une question pour le maître parce que c'est important. Alors, ben, Yves, ici, non, tu peux... On va à la pub rapidement. Okay. Le temps que les gens puissent s'installer, puis on revient. Toi, tu dis, tu ne vas pas pardonner, moi. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Je sais ce que vous savez, parce que c'est moi, le Ivy de Rochaud. C'est mon émission. C'est toi, l'invité. C'est un peu mou, hein. Vous avez faim? Franchement. C'est mon émission? C'est toi qui commence. Merci. C'est sur NCI, la chaîne étoilée, ça bouge pas. Gros bisous à mon DG Ange Guy. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Delors, tu voulais poser une question? Oui, j'ai une question. J'ai écouté ton témoignage. Tu sais, j'ai été proche De certaines célébrités qui se sont fait malmener sur les réseaux sociaux. Et je sais combien c'est difficile. Avec ce que tu dis, je me dis que tu as enduré ça pendant 3 années au moins. Et ça a même conduit à des complications sur ta grossesse. Heureusement que l'enfant va bien. Dans la grâce. Et la mère que tu es aussi. Mais pourquoi, ou du moins, qu'est-ce qui concrètement te motive maintenant, là, après que tu sois passé par toutes ces graves choses-là, maintenant, là, à porter plainte, est-ce qu'il y a eu un élément particulier? Oui, il y a eu un élément particulier, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je sors à la télé, je fais une révélation, et il utilise ce que j'ai dit pour attester, lui, ce qu'il aurait dit au préalable, qui n'est même pas vrai. Okay. Parce que dans ce que j'ai dit à la télé, là, à aucun moment, j'ai dit que quelqu'un m'a laissé ou bien quelqu'un m'a quitté. Parce que ce n'est même pas la vérité. C'est parce que souvent, on ne veut pas rentrer dans le détail d'une affaire à cause de quelque chose. Sinon, si on veut s'asseoir pour parler là, ce n'est pas joli pour les gens. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, je vois. Ou bien, Mimi, oui. Ce n'est pas joli pour les gens. Donc, on veut arranger un peu joli pour dire. Maintenant, toi, ce que moi je dis là, tu prends ça et puis tu vas dire aux gens que quand je vous dis que je ne mens pas là, regardez. Et puis je vois en bas les gens qui disent « Ah oui, tu nous avais dit ça. » Ah, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire, tout ce qu'il a dit au préalable, là, c'est vrai.
sur moi, oh, sur d'autres personnes, d'autres personnalités, c'est vrai. Donc, il a plus d'adeptes. Ceux peut-être qui doutaient vont dire que, ah, mais déjà, le gars, là, il dit la vérité, tu vois. Donc, c'est ça, mais qui m'a fait dire, c'est pas sur moi, tu vas avoir tes clients. Parce que, figure-toi, il demande l'argent aux gens. Il demandait l'argent aux gens. Si vous voulez avoir des informations sur Yves Duro, sur sa vie privée, voici un numéro, faites un dépôt d'argent. J'ai créé un livre, un e-book, que je vous envoie pour que vous puissiez lire chez vous. Parce que ce n'est pas tout que je peux dire ici. Et il y a des gens qui payaient pour offrir une couveuse à tel hôpital. Je mets la vie de Yves Duro aux enchères. Pour offrir du lait à tel maman, voici les informations de Yves Duro. Ses rapports avec tant, quand elle était quatrième femme de tant, quand... Et les gens payent. Non, c'est faux. Mais voici ici. Les gens je suis ça. Quatrième femme et puis... Moi, je ne comprends pas les gens. Tu as contribué au social? Quatrième femme, là. C'est un numéro. Si je suis là, ça veut dire que je suis dans le foyer. C'est bon. Ouais, c'est qui est mauvais dedans. Chez les musulmans, c'est autorisé. C'est pas un crime. Mais je veux dire, il a alimenté des rumeurs comme ça qu'il a collé sur moi. Moi, je m'en fous. Moi, c'est moi qui suis public. Mais quand tu t'en vas chercher photos des gens qu'on n'a jamais vu même à la télé, tu t'en vas parler d'un enfant qui n'a rien demandé. C'est pour, tu cherches quoi? Donc, c'est un peu ça. Alors, maître, aujourd'hui, c'est elle qui est là-bas. Hein. Qu'est-ce que tout ce qu'elle vient de nous dire t'inspire avec ton regard juridique? Je veux dire, déjà, porter plainte appartient à chacun de nous. On choisit de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Mais ce que les gens ne savent pas, porter plainte, c'est une action publique. Je veux dire que même si elle ne porte pas plainte et que le procureur de la République est informé ou même s'informe de ce fait-là, il peut lui-même actionner ce qu'on appelle l'action publique. Ça veut dire qu'il peut demander si les faits, parce qu'il faut revenir, parce que vous avez employé beaucoup de termes, harcèlement, diffamation, vous avez employé beaucoup de termes. Je n'ai pas bien saisi les faits, mais ce n'est pas le plus important. Dans tous les cas, quand quelque chose de ce genre vous arrive, vous relatez les faits, vous déposez la plainte, c'est le parquet. En Côte d'Ivoire, c'est le procureur qui a l'opportunité de poursuite. C'est lui qui va regarder les faits et puis dire que ce que vous décrivez là correspond à telle infraction. Et donc, voici comment on va poursuivre cette infraction. Depuis 2013, heureusement, il y avait un problème avant 2013 parce que les infractions commises sur Internet sont assez spécifiques. Et en matière pénale, il faut toujours pouvoir bien viser le fait pour pouvoir réprimer. Et depuis 2013, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un instrument juridique qui a été aujourd'hui incorporé dans le code pénal, dans le dernier code pénal. Ce qui fait qu'il y a un ensemble de choses que vous décrivez. Par exemple, prendre une identité pour extorquer de l'argent, harceler quelqu'un. Un certain nombre de choses sur Internet, c'est prévu par la loi. Par exemple, l'article 25 dit que quand vous utilisez l'identité de quelqu'un pour extorquer de l'argent, c'est prévu, on peut vous punir, la loi vous punit. Après, diffamation, c'est un peu plus spécifique, c'est une vieille loi qui a été reprise dernièrement par la loi en 2017. Tout à l'heure, je vous avais dit vrai ou faux, diffamation, que ce soit vrai ou faux. Dès lors que ça porte atteinte à votre honneur, que ce soit vrai ou faux, dès lors que ça porte atteinte à votre honneur, c'est vrai que, bon, après, il y a certains éléments techniques qu'il faut réunir, mais dès lors qu'on n'a pas besoin que l'information soit vraie ou fausse, peu importe, mais dès lors que vous pouvez démontrer que ça porte atteinte à votre honneur, on peut poursuivre pour diffamation. Si, en plus, c'est dans un article de presse, la sanction devient plus lourde. Voilà, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que je dis que, au-delà de ce que vous pouvez ressentir, pour moi, il est opportun à un moment donné. Vous direz peut-être que je suis avocat, donc j'ai besoin des clients, mais loin de moi cette idée-là. Mais il y a tellement de mauvaises choses sur Internet qu'il faut que
les gens songent à faire baisser. Pour faire baisser, il faut porter plainte. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être beaucoup de... On n'a pas... les gens n'ont pas peut-être le temps de s'auto-saisir. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que les agents de police judiciaire, les OPJ et le parquet, de temps en temps, essaient de regarder sur les nets et puis essayer eux-mêmes d'accompagner les gens pour pouvoir porter plainte, de sorte à faire diminuer le taux de ce qu'on voit sur le net. Parce que les gens croient que quand on a une connexion et quand on a un téléphone, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est vraiment grave. Mais pourtant, même une invective peut être réprimée. Expliquez ce que c'est qu'une invective pour les personnes qui ne comprennent pas. Ce qu'on appelle injure. Je veux dire, voilà, quand vous injurez quelqu'un sur un réseau social, je veux dire Facebook, en fait, tout ce qu'on connaît, si la personne a la capture, elle va à la PLCC. Il y a même une unité de police qui a été créée maintenant pour ça. Elle va à la PLCC et puis on actionne. Voilà. Je veux dire, ça va permettre aux gens d'avoir du raisonnement, de réfléchir à deux fois avant de publier tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo même du procureur Adou, à qui on passe le salam, qui avait dit comme ça que... Il disait aux gens qui mais vous n'êtes pas obligé de toujours écrire des choses sur Internet. Parce que souvent, des gens se disent, quand ils se lèvent le matin, qu'ils n'ont pas écrit quelque chose, ils n'ont pas commenté, ils ne se sentent pas bien. Donc, ils écrivent du n'importe quoi. Mais oui, vas-y. Désolée. Il y a une question pour Maître. Et pour... Quand vous avez parlé de plaintes, tout ça, souvent, il y a des personnes qui, par exemple, ne vivent pas sur le territoire et qui sont hors du pays, qui peut-être vont dans... Il faut parler. Je ne sais pas pourquoi tu aimes le faire. De façon liée à la police, Interpol, tout ça, qui recherche souvent des gens. Est-ce que c'est possible qu'un jour... Il puisse avoir une police pour rechercher certaines personnes hors du pays. Madame, vous portez votre plainte ici. Aujourd'hui, heureusement, dans le monde, les polices sont interconnectées. De telle sorte que vous portez la plainte aujourd'hui. Si la personne habite à Islamabad, je veux dire. Après, peut-être que ça dépend des accords de coopération entre les différents États. Mmh. Mais vous portez votre plainte aujourd'hui ici. Mmh. L'État de Côte d'Ivoire, la police de Côte d'Ivoire, le parquet de Côte d'Ivoire trouverait un moyen de s'adresser, si on retrouve la personne. Il faut déjà qu'on retrouve la personne, de s'adresser à la police de l'État dans lequel la personne vit, et puis on pourra poursuivre la personne. Ouais, ça me fait penser à ce journaliste dont l'homme de maison a volé les 15 millions. Il est allé dans son pays d'origine. Il a été rattrapé par la police nationale. Ils l'ont rattrapé? Oui. Ah, OK, bon, je donc, pas. C'est pour... Ils l'ont rattrapé avec l'argent ou il avait des... Il restait 4 millions. Yeah. Et les 11 millions, là. Il restait 4 millions. Ils l'ont pris dans une chambre d'hôtel. Voilà. Donc, je veux dire, le fait qu'il soit à l'étranger n'est pas un obstacle. Ah, vous avez compris. Parce qu'à l'étranger, on n'est pas à l'abri de... Ce sur quoi je voulais revenir... Il a dit un truc important sur lequel il faut insister. Quand on parle de diffamation, j'ai déjà vu des gens de qui ils ont dit des choses. Ça ne les arrange pas, ça les met en difficulté. Mais ils ont peur d'aller porter plainte parce que ce qui a été dit est vrai. Dans la diffamation, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Imaginez quelqu'un de très respectable dans la société, comme Hayek. Imaginons un instant qu'il est battu par sa femme. C'est-à-dire c'est un homme qui battu. Ce qui est peut-être vrai. Ce qui est probable. Non, mais de toute façon, on a dit diffamation, si c'est vrai ou c'est faux. C'est important voilà, de le souligner. Donc le truc... Diffamé. Le truc, c'est que... Le truc, c'est que s'il est su que ce monsieur est battu, avec le rang et la statue qu'il a, ça peut porter atteinte à son honorabilité. Et moi, comme je suis son proche, je sais ça. Je vais sur, par exemple, Facebook. Tu sais quoi? Tu sais ça? Et puis j'écris Hayek Hassan et matin, midi, soir, on le frappe. Même hier, encore, sa femme l'a frappé. Et puis il va écrire, j'ai les preuves de ce que je dis. J'ai peut-être parce qu'il a non, que tu aies les preuves ou pas, dès l'instant où tu portes atteinte à son honorabilité, pardon, tu es... Moi, j'ai une question. On va aller rapidement avec le psychologue. Ah. Vous, est-ce que vous avez déjà reçu des cas comme ça, de personnes qui ont subi un harcèlement, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie même active?
Oui, plein. C'est récurrent? Pardon? C'est récurrent? Oui, c'est récurrent. C'est récurrent parce qu'il faut dire que les gens ne comprennent pas des choses. Vous savez, derrière un écran, la maturité de certaines personnes chute considérablement. Donc, ils croient qu'ils peuvent tout se permettre. Mais souvent, on comprend ça. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades. Tout ce que vous venez de dire, il y a ce qu'on appelle la mythomanie. Oui, c'est-à-dire que tu manges jusqu'à tout, mais tu crois que c'est vrai. Oui, il ment. Voilà. Il est malade. Donc, il y a... Oui, voilà. Oui, il est malade. Non, non, il est malade. C'est un malade, le gars, là, il est malade. La mythomanie. Bon. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la coprolalie. Et ça dit que... Notez. S'il vous plaît. Merci. Il y a c'est quoi? Ce qu'on appelle la coprolalie, c'est-à-dire que cette pathologie où on a tendance à dire des insanités. Ça, c'est une maladie. À dire des gros mots. On dit quoi, tu es coprolaire. À commencer à dire des choses comme ça. Et puis maintenant... Non, ça, je vais dire ça à mon chéri. Chéri, si on se dispute, arrête-moi de coprolalité. Les gens vont souffrir avec nous. Maintenant, les deux derniers points, on peut voir aussi une forme de narcissisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que marcher comme sur les autres... Comme le prénom narcissiste. Voilà. Mm-hmm. Mais pas tous les narcissiques. Hein. Mm-hmm. Voilà. Il fait de la que... diffamation. C'est-à-dire que marcher sur les autres pour pouvoir exister. En réalité, ça cache un vide intérieur. Effectivement. C'est-à-dire que cette personne a un vide intérieur. Un manque de confiance en soi. En fait, il veut exister en faisant peut-être du mal à quelqu'un. Et puis la question est de savoir derrière, est-ce que, je le dis comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une petite forme d'érotomanie derrière? De quoi? C'est-à-dire quoi ça lui cette plaît, tendance sexuelle. Justement, c'est-à-dire l'érotomanie, c'est être convaincu qu'on est aimé par un personnage public. On est convaincu, il est convaincu soi-même. Il a ça. Il a ça. Non, s'il te plaît. Il a érotomanie, là. Parce que, excusez-moi, il dit, il a fait des publications que j'ai, où il dit dedans que j'ai tenté d'avoir des rapports avec lui dans son songe. Aïe! Aïe! Non, c'est faux. Oui? Hein? Il dit ça et il dit... Il dit même que, il dit aux gens de faire très attention à moi, que je suis très mystique. Il dit aux gens de se méfier, que vous la voyez comme ça, elle est très dangereuse mystiquement. Faites attention, elle arrive même à prendre la chance de ses collaborateurs. Il dit ça. Et il va jusqu'à dire, il dit des choses même. Et avant-hier même, il a mis ma photo, il a dit bisous bébé. C'est-à-dire que... Il est autonome. Il est érotomane. Érotomane. Je veux dire déjà que ce genre de personnes-là, il y a ces choses-là à explorer aussi. Il y a ces choses-là à explorer. Par contre, tout ce que je viens de citer là, hein, ça ne t'exonère pas de poursuites judiciaires. Okay. Non, parce que ce sont des choses qu'on peut gérer. Voilà pourquoi on appelle ça des troubles. Donc quand ça se passe comme ça, la conséquence que ça a sur la victime, vraiment, les conséquences sont graves. Il y a d'autres qui vont jusqu'au suicide, il y a d'autres qui développent ce qu'on appelle même l'autophobie, qui ont peur d'eux-mêmes. C'est-à-dire on les a tellement mis dans une forme de caricature qu'eux-mêmes, ils arrivent à avoir peur d'eux-mêmes. Parce que la manière dont on les a décrits. Ah, j'ai peur de moi. Il y a aussi... Je commence à avoir peur de moi. Il y a aussi les tendances dépressives qu'on peut créer déjà chez cette personne-là. Parce qu'on ne peut pas être fort tout le temps. On ne peut pas être constant, dit non, j'ai une carapace, vous voyez un peu. Même la tortue, souvent, la carapace se ramollit. Donc, arrivé à un moment donné, on risque, en fait, de sombrer. Donc, pour ne pas sombrer, on tente quand même de pouvoir se faire justice. Mais la plus belle des manières de se faire justice, c'est vraiment d'aller porter plainte. Vous voyez, moi, je le dis et je l'assume. Il faudrait que tout le monde puisse le comprendre. C'est le sentimentalisme incongru qui nous tue en Afrique. Non, si on l'a mis en prison, il va faire ci, non, c'est pas bon, etc. Voilà, voilà. Vous savez, quand on prend un couteau puis on poignarde quelqu'un physiquement, il est blessé, le sang coule. Donc souvent, on peut soigner. On soigne et puis ça passe. Mais quand le poignard, il est mental, c'est compliqué parce qu'il y a une blessure qui reste et cette blessure-là peut
affecter toute notre vie. Il y a d'abord les enfants qui sont là. Quand la maman est dans une certaine disposition, elle est tout le temps triste, elle est tout le temps préoccupée, elle est tout le temps évasive, elle est tout le temps partie, ça agit sur le développement de l'enfant. Et quand on aura un enfant difficile, on va dire, ah, c'est que l'enfant est devenu. Non, 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 non. Voici ce que j'ai fait de lui. Or, souvent, ce n'est pas ma faute, ce sont les coups de la vie qui m'ont rendu comme ça. Donc, pour empêcher que des personnes puissent pouvoir désagréger notre santé mentale, il faut s'arranger pour pouvoir se débarrasser de ces personnes-là. Et quand on se débarrasse de ces personnes et qu'on a cette paix intérieure, on commence à apprendre à revivre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? On a traversé tout un parcours. C'est vrai, vous savez, les difficultés, les petites difficultés qu'on a là, on considère ça comme les marches de l'échelle pour pouvoir atteindre cette instabilité. Donc, pour pouvoir atteindre cette stabilité-là, il faut pouvoir prendre dès maintenant les responsabilités qu'il faut. Merci. Oh. On va aller, Doka. Doka. Ah, vraiment. Érotomanie. Oui, érotomanie. Érotomane. Et cocophobie. Cocotéré, quoi? Cocotéré. Coprolali. Coprolali. Copro. Tu es coprolal. Coprolali. Ça, c'est quoi déjà? C'est cette tendance pathologique à dire des insanités et mythomanie. Il y a beaucoup. Mythomanie, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est quelqu'un qui est là. Immense. Lui, il est là, il ment seulement. Et puis, il croit en son mensonge. Et puis, il croit. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que mentir est un fait. Mais croire à son mensonge, ça veut dire que lui, il croit qu'il est Cristiano Ronaldo. Il sait qu'il est en train de mentir. Et puis tellement il dit qu'il est Cristiano Ronaldo, il commence à marcher comme Cristiano Ronaldo. Il fait tout. Il joue ballon. Il joue ballon, tout, tout, tout. OK, Doka. Premier sujet. On va discuter entre nous. Vous êtes dedans aussi. L'épisode 58 de la saison 3, la famille Arafat. On a l'épisode 58. Saison combien? Saison 3. OK. La grand-mère a fait une vidéo où elle s'en prend aux mères, aux différentes mères des enfants de feu Arafat. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, Mimi, tu as suivi. Oui, oui, oui. Hassan. Le psychologue, vous avez suivi ça? Non. Vous n'avez pas vu? Et l'avocat, vous? Non, c'est pas mon dada. Delors et toi? Si, j'ai vu. Et toi? Non, j'ai vu. Ah, vieux, faut pas dire ça, sinon ça va devenir tollé sur lui. Il dit, il y a personne, des personnes, il ne suit pas. Voilà. Mais c'est son droit. Ah, mais ça, c'est gâté. C'est son droit. Vous allez être célèbre cette semaine, vous allez vous autopsychologer. Hassan, tu as suivi ça? J'ai subi ça. C'est ton point de vue? Moi, je ne moyenne pas maman Tina. Voilà, non, je parle de la grand-mère. La grand-mère, elle est en contact avec moi, elle m'a écrit. Je comprends sa peine, parce que pour elle, elle a promis quelque chose à Arafat. Et je n'ai pas suivi maman Tina ce qu'elle a dit. Mais pour elle, elle dit qu'elle a promis à Arafat qu'elle va pérenniser tout ce qu'il fait à travers une ONG. Je pense que c'est l'ONG aujourd'hui, la fondation, qui est en train de créer tout ce problème parce que ça a divisé beaucoup de choses. Mais fondation, là, il y a l'argent dedans. Fondation, alors la fondation, ça dépend de comment tu la prends. La fondation, normalement, c'est pour œuvrer dans quelque chose. C'est pour ça que moi, j'ai choisi l'ONG parce que c'est à but non lucratif. Il y a beaucoup d'événements qu'une fondation peut faire, surtout dans le cas d'Arafat. Pour pérenniser, il faut faire des concerts, il faut faire des appels aux dons, il faut faire beaucoup de choses. Oh. Ça peut générer de l'argent. Et les ventes, tout ça, vont aller dans la caisse de la fondation. Mais la maman, la grand-mère, c'est plus côté sentimental parce qu'elle sent qu'elle doit ça à cause de sa promesse à son petit-fils. Donc, je ne peux pas dire qu'elle a tort, je ne peux pas dire qu'elle a raison. Et je ne peux pas dire que maman Tina a tort ou qu'elle a raison. Le problème de la famille d'Arafat... C'est vraiment délicat parce que il faut que la famille trouve une solution pour s'asseoir, se mettre ensemble véritablement pour qu'il y ait une discussion, une bonne fois pour toutes. Parce que pour la mémoire du défunt, Arafat, c'était une légende. Il a réussi à réunir toute une population et il a appelé cette population machine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait en un mot quelque part, il aimait moins la paix. Donc, voir sa famille s'entre-déchirer pour ce genre de truc, vraiment, ça fait mal. Il faut que la famille trouve un terrain d'entente, se mette ensemble, trouve un accord pour que tout ça cesse.
Tu as regardé la vidéo de Maman Tina? Oui, oui, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'elle disait dedans? Moi, je n'ai pas vu. Bon, elle parlait de sa maman, elle a parlé de sa maman, de... En tout cas, il y a des détails que... Elle a fait une vidéo où elle a clashé sa mère, voilà. Puisque c'est le bon mot. Par contre, en fait, ce que moi, je regrette avec cette famille, j'ai l'impression qu'on veut exister par le souvenir de Arafat. Une grand-mère qui met un téléphone, qui s'enregistre et puis qui balance sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens d'expliquer un ensemble de problèmes que tu as vécu avec ce monsieur dont nous parlons. Imagine si ta grand-mère ou bien ta maman mettait un téléphone là parce que c'est Evidero. Oui, il y a telle personne. Mais pourquoi les choses de la famille doivent être autant désacralisées, jetées comme ça en pâture? C'est-à-dire des gens qui ont mangé, des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Tous ceux-là, vous les invitez dans votre famille. C'est quoi le message derrière? À un certain âge, je pense que la sagesse devrait parler. Quand on a promis quelque chose à Arafat, c'est Arafat après tout. On ne va pas continuer de le traîner comme ça. Et puis, on est quitté dans ses copines, on est allé dans sa maman. Aujourd'hui, c'est la grand-mère elle-même. En fait, le souci, c'est qu'il y a pénible, une grosse équipe qui était derrière Arafat, qui sont, je pense, aujourd'hui divisées en deux clans. Et ce n'est pas le problème de la maman et de la grand-mère pour les réunir, parce qu'ils sont réunis plusieurs fois, ils ont discuté. Mais récemment, ils ont fait une émission ensemble, oui, non? Oui, mais je pense qu'il y a un gros jet derrière cette légende qui est décédée, malheureusement. Et c'est très compliqué, parce que il y a beaucoup de gens qui profitent de l'image d'Arafat aujourd'hui sans rendre compte à la fondation. Et c'est dans cet esprit que la grand-mère voulait aller. Maman Tina aussi ne veut pas rentrer dans cette sphère de fondation parce qu'elle pense qu'il y a des choses à faire hormis de la fondation. Donc ça crée un gros problème. Mais moi, je pense qu'elles peuvent... Je ne sais pas, il peut arriver un moment où les disputes peuvent être internes et non externes, que les gens regardent sur les réseaux sociaux. Avec tout le respect que j'ai pour ces dames-là, qui sont des dames, je pense, élégantes, qui ont leur manière de vivre et compagnie, elles n'ont pas à venir s'exposer sur les réseaux sociaux pour que des personnes qui ne connaissent absolument rien de leur vie mettent leur bouche dedans, les insultent, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont dû partager des éléments pour l'insulter, la dame, alors qu'elle n'a rien demandé, elle demande seulement qu'on puisse l'aider. Maman Tina, avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est sa affaire de famille, qu'elle règle en famille. Elle prend c'est sa maman, c'est pas sa camarade. Elle s'assied, elle discute avec la dame. S'il y a des mots à se dire, elles se disent, mais que personne ne soit au courant qu'elle insulte sa maman, mais qu'elle lui parle d'une certaine manière ou qu'elle ait un ton qui ne correspond pas à quelque chose. Arrivé un moment, Arafat, c'est une légende. On n'a qu'à le laisser en étant une légende avec la musique qu'il a proposée au monde, la carrière qu'il a proposée aux gens et qu'on puisse l'utiliser pour dire voilà une des références, comme on parle de Drogba. Comme on parle de je ne sais pas qui, Evidero, ou bien quand on parle de... Je suis là. Non, mais il a dit les gens. Tu as dit les gens, oui, les gens comme Evidero. Je veux dire qu'arriver au moment... Effectivement. Arriver au moment qu'on arrête de passer notre temps, chaque semaine ou bien chaque mois, on a une affaire de... Arafat, ou bien de sa maman, ou bien de la grand-mère, ou de quelqu'un qui connaît Arafat, ou bien quelqu'un qui va utiliser Arafat. Oui, parce que c'est parti de quoi cette histoire-là? Je crois que Olok Pacha a fait une révélation. Olok Pacha qui a fait une révélation, voilà, celle que vous voyez là. Qui a mis la photo de cette dame pour dire que c'est la belle bébé. Des belles. Et ben là, donc chaque bébé, année, on découvre une, voilà, on découvre une nouvelle belle. En fait, parce que l'année dernière, c'était Cité des Arts. Voilà. Oui, je pense que Olok Pacha, ce que j'ai compris à travers son message, c'est qu'il veut toujours, à chaque fois que les gens ne parlent plus trop d'Arafat, c'est sa manière de lui de ressusciter Arafat sur les réseaux sociaux et partout. Il veut que le nom d'Arafat soit là et il prépare un documentaire, d'après ce que j'ai compris, qui va sortir le mois d'août, qu'il a appelé les vérités ou bien la vraie, ce qui s'est vraiment passé dans la vie d'Arafat. Après, il y a le téléphone qu'ils ont dit qu'ils ont cassé de Arafat. Les gens sont en train de dire c'est cassé, c'est pas cassé, c'est Olok Pacha qui a ça, c'est pas Olok Pacha qui a... Donc, pour gérer l'image d'Arafat aujourd'hui, après sa mort, c'est plus difficile que de son vivant. Et ça, c'est en train de créer plein de problèmes partout et de faire deux clans. J'ai une question pour le psychologue. Oui. Moi, j'aimerais comprendre comment on peut expliquer cette propension que les gens ont d'exposer sur les réseaux sociaux les affaires de leur famille. Tina et sa maman,
sa maman qui n'était pas dedans, même il y a, mais, qu'on voit presque tous les jours depuis le départ d'Arafat. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourquoi les gens ont tant envie que tout le monde sache ce qui se passe dans leur maison, dans leur... D'accord, il y a deux choses. Un, il y a le besoin d'exister. Et puis maintenant, deux, il y a le besoin de s'exprimer. Parce que le besoin d'exister, on peut dire tout et n'importe quoi pour dire qu'on est là, c'est nous, on tient encore la barre. Maintenant, le besoin de s'exprimer, c'est pour dire que j'ai des choses à dire, mais je n'ai pas d'oreille attentive. Donc, c'est le seul canal par lequel je peux passer pour parler, pour transmettre un message. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la plus belle des manières. Parce qu'ici, il y a des enfants qui sont impliqués. Mmh. Il faut prendre ça, il y a des enfants qui sont, impliqués. Mmh. Donc, comment ces enfants-là vont se développer à travers le temps? Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je le redis encore, vous savez, la personnalité de l'homme, là, ça se forme à travers trois filtres. OK? Trois filtres. Les jeunes, c'est pas Snapchat. Trois filtres. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on appelle le filtre neurologique sensoriel. Hein? Ça, c'est le premier filtre. Ça comprend l'âge, le sexe et les cinq sens. Il y a ce qu'on appelle le filtre culturel, qui comprend la tradition, les us et coutumes, la religion, etc. Il y a ce qu'on appelle le filtre personnel, nos propres expériences de la vie. Imaginez ces enfants-là. Regardez comment ils sont en train d'évoluer. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que même le filtre même culturel, ils ne l'ont pas. Leur filtre culturel sera le monde des réseaux sociaux. Mmh. Ce que tout le monde est en train de dire, c'est buzz par-ci, c'est clash par-là. Donc, ces enfants-là grandissent dans ce mood-là et on se tourne demain, on dit, vas-y, c'est l'enfant d'Arafat, et là, comme il est devenu, non, c'est l'enfant d'Arafat, voilà, voilà. Alors que tout le monde a participé à ce que ces enfants-là soient comme ça. Donc moi, j'aimerais leur dire simplement de penser aux enfants, de vraiment penser aux enfants, et puis de ramener les problèmes sur la table dans la famille, et puis essayer de résoudre ces problèmes-là dans la famille. Parce que tant qu'il y aura des oreilles assez ouvertes pour pouvoir prendre les informations, tant que les informations seront extérieures, il y aura plus d'attaques, il y aura plus de personnes qui se nourrissent de ça, amplifient, pour avoir peut-être un nom, etc. Mais moi, je dis toujours la stabilité émotionnelle des enfants, l'éducation des enfants et la vision des enfants dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils seront, leur construction de demain doit faire foi, doit valoir, en fait, sur tout ce qui se passe. Voilà. Mais Yvie, pour maman Tina, c'est compréhensible qu'elle soit sur les réseaux. Pour la mémé, je ne sais pas comment elle est sortie sur les réseaux, tout ça. Maman Tina, il y a un peu aussi, malheureusement, père son âme, Arafat, qui avait exposé lui-même toute sa vie. C'est-à-dire, il est en clash avec sa maman, il venait mettre, il faisait ci, il faisait ça. Ça créait beaucoup de mouvements. Et maman Tina a subi beaucoup, beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux qui l'ont poussé aussi, des fois, à faire un coup de gueule. Et puis, avec la mort de sa deuxième, fille, il y a un moment, on sait, quand quelqu'un ne va pas bien, le psychologue, c'est là, ça, il peut nous dire, ça, il ne va pas ça, bien, il a besoin ça, de s'exprimer et dire, ça, bon, à un moment donné, je suis fatigué de vous, c'est bon. Moi, honnêtement, sur ce point-là, je suis d'accord. Je ne parle pas de ce sujet-là. Hein. Mais moi, j'ai tout le temps défendu maman Tina pour dire que souvent, on pousse les gens à beaucoup de choses quand même. Hein. On pousse les gens à beaucoup de choses. Quel que soit ce que Arafat a pu faire avec sa maman, c'est passé. Mais ça reste sa maman. Et Arafat, même paix à son âme, il faisait ses palabres avec sa maman, mais il ne permettait pas aux gens de manquer de respect à sa maman. Hein. Aujourd'hui, les amis d'Arafat qui parlent mal à sa maman, là, c'est parce qu'il n'est pas là. Sinon, quand il était là, qui pouvait parler mal à sa maman? Il n'était pas ses amis. Qui? En tout cas, moi, du vivant d'Arafat, je n'ai pas vu quelqu'un qui a parlé mal à maman Tina. En tout cas, de son vivant. Parce qu'il allait être réglé. Ça, c'est un. De deux... La dame, je pense comme le psychologue a dit, arrivé à un moment, tu as une pression qui fait que... Parce qu'elle a été artiste ou elle est artiste. Elle est artiste. Arrivé à un moment donné, elle a arrêté de chanter. C'est son métier, c'est ce qu'elle veut faire. Peut-être qu'elle a arrêté de chanter par rapport à certaines circonstances. Déjà, ça peut-être, ça joue sur elle. Il y a le fait de perdre son fils qui était une légende, ou qui est une légende même. Il y a le poids, il y a ce poids-là sur elle. Il y a le poids des fans. Il y a le poids des petits-enfants. La famille, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Parce que certains sont sortis pour dire que c'est pour l'insulter, qui a tué son fils, tout ça. Après encore, il y a sa deuxième fille qui décède.
Moi, je pense qu'elle est trop forte. Elle est forte. La femme là-même, là, il faut qu'on la prenne même pour l'envoyer même dans un pays quelque part là-bas. Moi, j'ai une question de droit même dans tout ce qui se passe là. Maître, tu vas nous dire. Parce que la grand-mère de Arafat, en fait, elle se plaignait du fait que les mamans des enfants de Arafat ne lui donnent pas accès aux enfants. Et elle est même allée plus loin. Il y a des sous-entendus dans ce qu'elle disait. Mais elle est en Amérique. Hein? Oui, quand elle vient ici, elle a laissé penser, même sans le dire, que les mamans des femmes d'Arafat, là, ce sont elles, en fait, qui l'empêchent de voir ses arrière-petits-enfants. Est-ce qu'il y a une obligation qui pèse sur ces femmes-là? Ses arrière-petits-enfants. Est-ce qu'il y a une obligation qui pèse sur les ex-compagnes de Arafat de mettre à disposition les enfants qu'elles ont eus avec Arafat Parce que tout le monde veut snapper les enfants là-haut. Il y a tellement de personnes. C'est-à-dire, Arafat, il a fait des enfants avec différentes femmes. Les parents de Arafat, là, ont un droit de visite ou de contact. Est-ce que ces compagnes-là ont une obligation? Non. Il y a le droit de visite, le droit d'entretien, tout ça, c'est à l'égard du père et de la... Quand ils sont vivants, à l'égard du père ou de la mère. Ce sont les deux parents. Tu ne peux pas venir quitter... Enfin, c'est la grand-mère de Arafat. La grand-mère de Arafat. Oui. La grand-mère de Arafat. Ouais. Oui. Donc la vraie grand-mère des enfants. Hein. Non. Et même, est-ce que la dot, parce que, par exemple, Arafat est décédé, il avait doté Carmen. Est-ce que la dot du contexte... Non, en Côte d'Ivoire, je présume de la question. En Côte d'Ivoire, on est marié que quand on va, heureusement ou malheureusement, ça dépend. Ça dépend du camp dans lequel on se place. Heureusement, bien malheureusement, en Côte d'Ivoire, la seule chose qui est reconnue jusqu'à présent, c'est le mariage à l'état civil. À c'est ça, nous on est sortis zéro, là. C'est la seule chose qui est reconnue. Il faut qu'on fonce. Moi, je voulais poser une question. Boisson, là, les oncles ont bu. Vous savez, nous, on est confrontés toujours à des discussions. On nous dit toujours une chose. Quand tu dis à quelqu'un, va voir un psychologue, on dit, oh, ça, c'est maladie des Blancs. Ça, c'est Dès que tu finis, donc là, on ferme le doka. On est passé. Oui. Ou bien, oui, on a fermé le doka. Vas-y. Dès que tu dis à quelqu'un, va voir un psychologue, il te dit, non, ça, c'est les maladies des Blancs, maladie des Européens. Ça, là, ça n'existe pas chez nous en Afrique. Réellement, si vous devez aujourd'hui dire aux gens qui nous suivent, parce que il y a des gens, moi, j'ai connu une personne qui était proche de moi qui dit, elle a honte de dire à quelqu'un qu'elle va chez un psychologue. Quel est ce message que vous pouvez véhiculer aujourd'hui pour, on ne va pas dire banaliser le fait d'aller voir un psychologue, mais pour vraiment faire comprendre aux gens comment ça peut leur faire du bien, énormément de bien, de pouvoir se libérer d'un poids, parce que les gens aussi ont peur d'aller chez un psychologue, lorsqu'on est des personnes connues aussi, de venir raconter des choses et que demain ça... Le psychologue va mettre ça sur Facebook. Ou bien dire à quelqu'un de l'utiliser contre toi après. OK. D'accord. Rapidement. Voilà pourquoi on dit psychologue. C'est-à-dire que le psychologue a un code de déontologie. Et un des principes dit le respect de la personne dans sa dimension psychologique est un droit inaliénable. Et son respect actionne le psychologue. Donc, du coup, quand tu viens voir un psychologue, pendant que les autres vont dire « mon ventre n'est pas valise », le psychologue te dit « mon ventre est ton coffre fort ». Oui, mais ça, c'est ce que vous dites, monsieur. Oui, maintenant, je viens. Mais en Côte d'Ivoire, ici, tout le monde est papato. Oui, je viens. Nous, par exemple, comme je l'ai dit là, notre profession est régie par un code de déontologie. Donc, la notion du secret professionnel. Le droit de réserve sur la vie des gens. Donc, nous, on s'expose à des poursuites judiciaires en relatant la vie de quelqu'un. Même pas madame. Non, mais en relatant. Non, même pas madame. Ça, c'est en relatant si la personne sait. Si vous me dites sur le côté comme ça, Yves est venu. Moi, je peux venir vous voir tout de suite et puis vous allez dire à votre femme le soir. Et à votre femme. Ah, mais tu sais qu'aujourd'hui, Non, excusez-moi, je viens. Mais c'est pas ça. Tu sais que j'ai reçu ta star. Aujourd'hui, ta star est venue consulter chez moi. Bon, regardez. Et votre femme va dire, ma star était chez toi, chérie. Tu dis, oui, elle était chez moi, elle a un petit souci. Elle là. A des problèmes. Elle a vu quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Non, chérie.
C'est le secret professionnel. Je ne peux pas te dire. Voilà. En fait, mais le lendemain, quand elle va au bureau... En fait, c'est que... Yves Deroy était chez mon mari, le psychologue. Ce que vous dites là, comme je l'ai dit, dans toutes les professions, il peut y avoir des gens comme ça. Mais je dis qu'un psychologue qui a reçu sa formation et tout... Il ne fait pas ça. Normalement, quand il arrive, il ne fait pas. Vous dites avoir faim. Moi, par exemple... Non, je vais vous dire. Mais où c'est plus dangereux, c'est que le soir... On va à la pub, hein. Oui, je viens. Si il veut quelque chose, la femme vient, elle ne dort pas. Mais il faut me dire, il veut après quoi. Attends, il va répondre. Non, sa femme regarde. On confond un peu autour et aux alentours. Je dis, la chose est claire. C'est que moi, par exemple, je suis plusieurs personnes connues. Voilà. Mais vous n'allez jamais entendre quelque part que non... Il a dit si, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Voyez. Donc, ça veut dire que les garantir l'anonymat, là, voilà, c'est vraiment notre leitmotiv. On va aller à la pub rapidement et puis on va venir. Va bien boire l'eau, ça va revenir. À la pub. Merci de nous suivre sur NCI, la chaîne étoilée. Vous êtes bien dans le Yves de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Nous allons recevoir Anaïs et Mosia, actrices, et Prisca Judith, actrice aussi, qui ont joué dans La peau d'un caïd avec moi-même. Je pense qu'elles sont là. Elles n'ont pas de micro. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Alors, mes chéris, allez, de part et d'autre. Hein. Oui. Coucou. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, de verre, hein? On est toutes c'est les trois de verre. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais on communique. C'est vrai. La télépathie. Alors, qu'est-ce que vous réservez? Ben, on réserve beaucoup de surprises, on réserve du rire. Je pense que tu es la meilleure même pour vendre ce film-là. C'est vrai? Bah oui. On réserve beaucoup de rire, on réserve un bon moment à toutes les personnes qui vont venir le regarder. Eh bien, elle, dans le film, vous avez dû la voir sur l'affiche. C'est Anaïs, l'une des actrices principales du film. Et c'est la première fois, comme tu l'avais dit la dernière fois dans la télé d'ici, que tu joues dans un film. C'est ça. Tu avais déjà joué dans des séries ou c'est que dans... C'est... des pubs, ce genre de choses. Mais un film qui passe à l'écran, c'était la première. La première. À ce moment-là, en tout cas. Ouais. Et donc, depuis lors, ça va par la grâce de Dieu. Et toi? Moi, ça va parfaitement. C'était la première fois aussi? Oui. Ça, c'est mon premier long métrage. Mais sinon, série, capsule. Oui, tu avais c'est déjà. Famille, ouais. C'est famille, c'est famille. Ah, voilà. On a un extrait de la bande-annonce. Donc, Yago Michel, Adrienne Coutouin, Were Lee King, Djibo Cravate, Stéphane Zababi, Joe Williams, Carmen Sama, Ivy Deroux, Prisca Judith, Anaïs Mosia. C'est ça. Et puis, plein d'autres. Voilà, un très beau casting. Un gros bisou à Owell Brown. Oui. Et réalisateur. Et à Sandra Koulibaly, la productrice. Oui, oui. Franchement, on a fait du bon boulot, je pense. Oui. Donc, au cinéma, en salle, les gens peuvent aller regarder. Oui, oui, ils peuvent aller aujourd'hui. Regarder. Mais déjà, il y a les deux entrées, les deux, comment on appelle ça, sorties prévues pour ce week-end-là, c'est déjà bouclé. C'est bouclé. Hein. Donc, la semaine prochaine, je vous dis, je vous assure, vous allez vous détendre, vous allez rire, vous allez passer un merveilleux moment. Donc, n'hésitez pas. Merci. Merci, mes chéris. Je vous en prie. Et puis, on se reprend tout à l'heure. Gros bisous. Très bientôt. Merci. Bisous. Au revoir. Bisous. Vous pouvez aller voir en salle de cinéma. Voilà, on avait l'avant-première il y a quelques jours. Là, le film est sorti. Il est en salle. Allez le voir. C'est un superbe film, Dans la peau d'un caïd, réalisé par Owell Brown. Tu étais une voyante dans le... Oui, je joue le rôle d'une voyante dedans. Ouais. Le gars-là risque de ressortir pour dire « Je vous avais dit non. » Qui ça? Quel gars? Ton gars, là. Lui qui dit « Tu voulais le violer ensemble. » Il est capable, hein? Il est capable, hein? Il est capable. On va passer au jeu. En tout cas, moi, j'ai passé une superbe émission. Je tenais à dire merci au psychologue parce que j'ai compris certaines choses. Voilà. Et à l'avocat aussi, je pense qu'on va se revoir très vite. Oui, merci. Inch'Allah.
Et puis là, on va passer au jeu, parce qu'ici, on joue. Voilà, donc il y a deux équipes, l'équipe 1, l'équipe 2. On passe au jeu. Sico FC contre Avocat FC. On passe au jeu, on passe au jeu. On doit gagner, hein. Sico voilà. Langla, moi, quand je reçois les coups, je fais comme ça. Le jeu. J'ai pris ici, là. Tout est tombé. C'est dit, quand ils perdent, ils ont droit à quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils boivent. Mais est-ce que leurs verres sont pleins? Ils boivent quoi? L'avocat, là, lui, il a déjà fini de boire pour lui. Lui qui gagne va partir avec un... Tu peux les servir. OK, d'accord. Celui qui gagne... Il va partir avec un carton de Kirène. Avec un carton de Kirène, voilà, c'est d'accord. Donc, c'est tout le monde. Avec la nouvelle eau, oui. L'eau pétillante, là, j'aime beaucoup. Toi, j'ai remarqué au fur et à mesure des émissions, là, ton pantalon devient court. Ça, c'est mon pantalon qui est venu. Si c'est ton modèle, là, ou bien c'est toi qui fais en forme, je ne sais pas. C'est comme ça? Oui. Bon, il n'y en a plus assez, hein, donc je ne sais pas. Non, nous, ça va, nous, ça non, va. C'est, hein. Que, c'est que Mimi. Bon, c'est Mimi. Voilà, on voulait voir. Ouais, on nous envoie voilà. D'autres bouteilles quand même. Il y a beaucoup, il y a assez de bouteilles quand même. Hein. Mm. C'est Kiki, hein, Kirène. Merci. C'est quoi? Oh, vas-y. Ça, c'est à moi. Merci. Donc, je vous montre une image. Pendant 10 secondes, j'enlève l'image et je vous demande ce que vous avez. Ton truc là, voilà. Seigneur. Alors, on y va. Voilà encore, on va dire, il n'est pas sympa, ça va devenir tollé. Mais tu n'es pas obligé de dire. Allons-y. Combien de bagues Madame Drogba porte-t-elle sur la main droite? Ça, j'ai regardé sa montre. Deux bagues. Si, c'est allez-y, quoi. Une seule bague. Deux. Deux bagues. C'est mon vieux père, il prenait une bague de sa femme. C'est votre dernier mot. Ouais. C'est votre dernier mot. On dit deux. Deux. Saint-Tich, allons-y pour la réponse. Mais vous allez boire ça. C'est une seule. T'as une seule bague? Non, il y a deux. Où est la deuxième? Sur sa main. Non, qu'à zoomer. Droite. Non, qu'à zoomer, il y a deux. Sur sa main droite. Il y a deux. Il y a une seule bague? C'est une seule bague? Il y a deux. Où est la deuxième? On dirait qu'il y a deux. C'est coupé, c'est super. Où est la deuxième? Il n'a qu'à boire. Bon, attendez, on va l'appeler pour lui demander. On va l'appeler. Il n'a qu'à voir la bouteille entière. La régie boite. Dit quoi? Moi, je vois deux. C'est mon moment. Non, je vois deux. De toute façon, les femmes, elles portent à l'aise. C'est plus un superpose. C'est divisé, moi, c'est deux. Deux. Ça, c'est deux. Oh, il faut boire. La régie. Patrick, choisissez qui va boire là-bas. Non. On va boire les deux. On boit pour j'allais te montrer comment c'est disposé. Mes doigts, ça, là, il ne peut pas faire à la télé. Sinon, ça, là, c'est deux. Patrick boit d'un trait. Les deux, c'est où? Concertez-vous là-bas qui boit. C'est ton émission, non? Oui. Bois d'un trait sans t'arrêter. Voilà. Attends, pas que tu vas le battre. Non, mais non, non. Déjà, pour boire une eau pétillante comme ça, sans s'arrêter, ça veut dire qu'elle est bonne. Oui. Franchement. Parce que... une eau pétillante ne peut pas se boire d'un trait comme ça. Parce que ça... ça te fait un peu c'est pas l'eau quelque plate. Chose ici. Non, c'est pas de l'eau plate, c'est de l'eau pétillante. Toi, tu es fort, hein, mais c'est larmes, ça. Voilà, l'autre image, une autre image. Qui? Vieux père, on n'a qu'à gagner. Seigneur. Regardez bien. Ils vont dire, il y a combien de trous dans la robe en verre, là. OK. Combien de personnes voit-on derrière Vital? Oh, mais... vous là. Mais répondez-moi, l'équipe même, église. Là-bas. Trois. Ils ont dit trois en premier. Aïe, non. Non, c'est eux qui ont dit trois en premier. Ils ont dit trois en premier. Donc, on monte. On monte. Trois personnes. OK. Il y a quelqu'un derrière le gars en rouge. Non, Chignon, il pensait que c'est quatrième, mais c'est trois. Un, deux, trois. Le gars qui est en rouge, là, il y a quelqu'un derrière lui. Jamais trois. Donc, chez vous, qui boit? De l'or. Bon, je bois. D'un trait. Ouais, Kirène, c'est tout. Une autre image, s'il vous plaît. On remplit les verres. C'est le dernier. Comme tu sais, déjà boire. Attention. Ouh, ça là, ça va chauffer. C'est bleu. Seigneur Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le deuxième monsieur en noir sur la photo. A porté une veste de quelle couleur? Il a été bleu. Bleu. Bleu.
Bleu foncé, là. Bleu foncé, c'est votre dernier mot, hein. Oui, oui. On remet l'image, c'est kaki. Là-bas. Le deuxième monsieur noir. Les autres ne sont pas noirs. Et puis déjà, la régie s'est trompée, ça c'est du marron. Ils ne sont pas noirs. Alors, les deux équipes boivent. Qui boit chez vous? Toi qui es nourrice, il faut boire. On va voir le nombre de verres remplis. Ici aussi, vous buvez. Ouais. Non, maître. Donc c'est non maître, il reste maître, maître faut boire. Moi, j'ai fait soif. D'un trait. Il faut faire gagner ton équipe, hein. Si tu bois pas d'un trait, là, c'est marqué nul. Bon, je pense que... On va donner une dernière image, quand même. On donne une dernière image. Là, on doit gagner. Mais nous, on a déjà gagné, nous, on a deux verres pleins. Oui, mais quand même, on va voir. Eux, ils peuvent ne pas perdre. Et puis, vous allez boire. On va mettre une autre image encore. Allons-y. Ah, l'image, là. Mm-hmm. Non, mais la question va changer. Non, lui, là, vraiment... OK, d'accord. C'est bon. Le cas désespéré. Qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte? Mettez son corps dehors. Non, la pancarte qui tient. Il a mis mon... Il a mis Burger Mambé. C'est ton... Si, il a mis Burger Mambé. Président Burger Mambé. Voilà. Un truc. C'est tout. Le psychologue, on dirait oui, toi-même. Il a mis Burger Mambé. Vous, vous, vous avez dit quoi? Et elle donne une bouteille en bas. Quand tu as dit, mettez son corps dehors. Il a écrit mon parrain Beugré Mambé. Donc, nous tous en bois. Mon parrain, papa Beugré Mambé, à mon nom, c'est Q. Donc, c'est l'équipe de Hassan Ayek qui remporte. Donc, on va leur offrir un carton de bouteilles d'eau pétillante qui raide. Pour chacun, quoi. Faut penser à moi. Hein? Doucement, d'abord, y a, on a un deal ici. C'est pour chacun un carton ou bien pour nous trois? Un carton. Parce que mendiant, quand tu fais par là-bas, trois mendiants, tu donnes 100 francs. Dans un carton, il y a combien de bouteilles? Ça, c'est une grande question. Le psychologue, il faut regarder dans les yeux de Yves. Tu vas savoir combien de bouteilles dans. On va gagner, hein, vieux. Dans quoi? Soir. Dans. Un carton. Un carton de quoi? De Kirène. De Kirène. Pétillante. Ça ne vient pas en carton, ça vient en emballage. Il y a 12. 12. Ils ont gagné. Non. Ceux qui n'ont pas gagné doivent venir ici pour danser là, l'avocat. Non, vous devez venir ici, vous trois. Tous les soirs, vous devez être là, s'il vous plaît. Je ne savais même pas ce que j'aimais. Vous devez descendre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à vendredi prochain. On vous attend là. Gros bisous, mes étoiles. Gros bisous à mon neveu chéri que j'adore de tout mon cœur. Enzo, je t'aime. Oh, ah, maître. Ça va pour danser, maître. Maître, maître. Minéral gazéifié, qui rend la pétillante, il fait bon vivre léger.